cette application, c'est la quoi, comment il fonctionne, les différents cas d'utilisation. Vous avez vu comment, que ce soit comme l'usage de rapports de données agrégées, que ce soit les trackers. Et aussi, vous avez aussi quelques démonstrations en rapport avec l'usage de l'application COVID, de l'application Android, mais aussi avoir quelques considérations relatives aux configurations serveurs et appareils. Dans cette session, nous allons directement aller sur la partie comment vous pouvez gérer votre flotte. Et il y a des applications appropriées qui peuvent faciliter la gestion des équipements mobiles que vous utilisez pour cette application Android. Et comment vous pouvez faire la configuration à partir de menu settings, les stratégies de synchronisation. Et aussi, nous allons voir quelques stratégies si, par exemple, vous voulez mettre en recherche un tracker basé sur l'application Android. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on insiste que donc il faut toujours tester avant de mettre à l'échelle l'application. Nous allons aussi discuter en rapport de la sécurité des données, sécurité du système. Je sais bien que dans la première session d'aujourd'hui, vous avez pu parcourir comment gérer les utilisateurs, comment gérer le niveau d'accès, ainsi de suite. Mais à cette fois-ci, on va essayer de parler un peu sur la sécurité, la configuration des SMS. Et bien sûr que pour mettre en place un système basé sur l'application Android, il y a un coût. Qu'est-ce que vous pouvez considérer? Qu'est-ce que vous pouvez considérer? Et aussi parler de quelle complexité, parce que mettre en place un système, ce n'est pas un processus, si je peux dire, si je suis linéaire, quoi. Donc, il y a des difficultés, mais il faut toujours penser à ça avant pour s'assurer que tu as tous les outils nécessaires pour essayer de faire avancer le projet. Essayons de faire un peu de récapitulatif de ce que vous avez vu dans les premières sessions. L'implémentation du tracker avec Android. Donc, vous avez un système tracker déjà en place, bien déjà après avoir développé. C'est comme une autre application tracker, mais il y a toujours quelques nécessités ou bien des adaptations à faire, surtout que ce soit du côté organisation et aussi côté les ressources humaines, tu vois, et aussi. Quand vous allez utiliser l'application Android, bien sûr que vous quittez de la partie web vers la partie Android. Ce qui veut dire que les outils web, c'est-à-dire que là-bas, on parle des ordinateurs, mais côté Android, donc, on parle des téléphones mobiles, des tablettes comme outils de collecte des données. Donc, l'usage de cette application Android nécessite quelques adaptations pour s'assurer que le projet avance bien. Donc, ici, c'est ça que je peux dire. Comme c'est de vous rappeler ce que vous avez appris dans la première session. Ici, les images ici, on a essayé. On a essayé de vous montrer les configurations. Tu vois, quand tu veux mettre en place un tracker, bien sûr que tu vas avoir un serveur quelque part, que ce soit sur cloud, que ce soit physique, dans une maison, dans ce room de serveur au ministère. Donc, si vous voulez l'exploiter publiquement, il faut qu'il y ait l'Internet, ainsi de suite, et aussi les ordinateurs aux côtés des utilisateurs.
Mais quand vous le gardez du côté à droite, il y a aussi la configuration pour les Android. Bien sûr, pour avoir un système intracœur utilisant l'Android, il faut y avoir aussi un serveur, il faut y avoir aussi l'Internet. Au lieu d'avoir les ordinateurs, vous allez toujours utiliser les tablettes ou bien les téléphones mobiles. Donc, tout ce qui est matériel mobile basé sur Android. Mais quand vous... la seule configuration, donc, quand vous voyez, c'est-à-dire que toutes les configurations, non, toutes les configurations de l'application sont les mêmes. Donc, c'est la même application, mais avec les différents outils de collecte de données. Ici, parlant d'un tracker, tout simplement, personne ne peut directement entendre qu'il y a des ordinateurs à utiliser pour enregistrer de l'apport des cas ou bien notifier des cas. Donc, ici, la connexion vers le serveur et avec les ordinateurs, donc ça doit être en permanence. Mais avec l'application, avec l'usage d'Android, il faut penser que donc à un certain moment, une application peut être déconnectée. C'est-à-dire que peut être déconnectée. Ce qui veut dire que c'est pas nécessaire d'avoir la connectivité, la connexion directe entre le tablette et le serveur. C'est-à-dire que avec l'Android, il y a possibilité de garder une copie de l'application dans la mémoire du tablette. Ça exige que donc une tablette doit avoir quelques spécifications, que ce soit à côté processeur, côté mémoire de stockage, mémoire active, que ce soit côté spécificité Wi-Fi, par exemple, pour s'assurer que dès que tu veux avoir la synchronisation, que donc les spécifications de tablettes Wi-Fi correspondent, par exemple, aux spécifications de la connexion existante, que donc ça peut se connecter. Ici, donc, je ne sais pas combien de minutes je vais prendre ici. Donc, ici, il y a un mode du jour d'aujourd'hui. Le mode du jour que vous allez utiliser aujourd'hui, c'est ça. Donc, j'en pense. Je pense que tout le monde a vu le mode du jour. Allô? Allô? Oui, s'il vous plaît, demande le mot du jour. Le mot, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, je le vois. Je vois l'écran. Okay. Donc, je peux continuer? Oui, pas de souci. Ok. Et vous pouvez toujours dire oui quand je parle et que vous... souvent avec la technologie, souvent quand tu parles, tu ne sais pas très bien que les gens suivent. Mais quand il y a les gens qui... Tu vois. Ok. C'est bon. C'est une très bonne question. Merci, maman. C'est une bonne question. Merci. Ok, merci. Donc, dans cette slide, on voulait juste vous rappeler des considérations à faire, surtout en ce qui concerne la gestion des flottes, la gestion des équipements. Il faut bien sûr s'assurer que votre équipement peut être connecté à un serveur à n'importe quel moment ou bien être déconnecté au serveur. Il faut
Aussi, pensez quand vous voulez mettre en recherche une application, donc un tracker basé sur l'Android, il faut aussi penser que ça peut avoir des pertes de données si les choses ne marchent pas correctement. Il faut penser aussi au serveur. Si vous voulez, par exemple, mettre en place un système basé sur le tracker, il faut aussi penser aux spécifications du serveur. Quel type de serveur doit acheter pour s'assurer qu'ils vont peut-être avoir la possibilité de répondre à des mille utilisateurs connectés à un même moment. Et donc, si je vais acheter, par exemple, une tablette, il faut aussi penser, est-ce que c'est cette tablette, les spécifications de connexion va faciliter la stabilité de la connexion. Quand je vais commencer, par exemple, faire la synchronisation, est-ce que les tablettes que j'ai ont la possibilité de garder combien d'enregistrés sur les tablettes? Donc, les tablettes ont combien de mémoire active ou combien de mémoire de stockage? Parce que donc, avec les tablettes, comme je disais tout à l'heure, donc il faut la connexion peut être là. Et quand tu enregistres les personnes, l'application peut facilement synchroniser avec le serveur central. Ou bien la connexion n'est pas là. Donc, il faut que les tablettes ont la capacité de garder quelques cas enregistrés sur la machine, non sur les tablettes. Donc, à ce moment-là, il faut penser aussi les modalités, la capacité de l'équipement pour synchroniser les données et les métadonnées. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, une tablette va garder une copie de l'application. C'est-à-dire, il va garder l'interface de saisie. Je sais bien que vous êtes actifs, ceux qui ont peut-être utilisé avant d'autres applications de prise de données comme ODK, comme K, ainsi de suite. Donc, il faut que les tablettes ont la capacité de pouvoir synchroniser avec le serveur central les métadonnées pour s'assurer que s'il y a un changement aux côtés de l'interface de saisie, que ce soit variable, que dès que la tablette synchronise, l'utilisateur peut directement avoir les changements sur son tablette. Dès que la saisie est faite ou bien l'enregistrement est fait, il faut que aussi la tablette facilite la synchronisation des données correctées, que ce soit en ligne ou bien en ligne, pour s'assurer que les données vont directement dans le serveur central. Ici, avec cette image, on vous montrera, on pouvait toujours vérifier. Je ne peux pas y traîner là-dessus, mais peut-être je vais expliquer ça quand je vais commencer la démonstration. Mais cette image vous montre comment les fonctionnalités à configurer ou bien à changer quand vous allez commencer à utiliser les applications, les tablettes pour l'application Android de DHIS2. Est-ce que vous voyez très bien mon écran? Oui. Dans ce qui se passe ici. Ok. Un instant. Ça dérange un peu. Ok. Toujours dans la gestion des équipements Android et configuration, l'application Android DHIS permet de simplifier la gestion des appareils. Surtout, comme vous le voyez très bien,
dans cette interface de l'application des HIS, option à partir de la configuration de l'application, partie générale, et là où vous pouvez simplement mentionner la fréquence de synchronisation la fréquence de synchronisation des métadonnées, c'est-à-dire les variables ou bien les éléments des données à collecter, et la fréquence de synchronisation des données. Ici, vous donnez l'instruction au système via l'application de s'assurer que quand vous allez cliquer sur la synchronisation, l'application va uniquement synchroniser les données de ce jour. Si vous voulez changer autrement, c'est ici que vous allez revenir et changer la configuration. À ce moment-là, il faut s'assurer que vous allez faire la synchronisation quand vous avez une bonne connexion, parce que quand vous allez synchroniser avec le tablette, si les tablettes ne sont pas très performantes, ou bien la connexion n'est pas bonne, donc il va y avoir quelques erreurs de synchronisation. Il faut s'assurer de ça, capacité des tablettes et aussi la connexion, pour que donc tout ce qui synchronise va aller vite et fait correctement. Donc avec l'application DHIS, avec l'application Android de DHIS, vous avez la possibilité de définir le volume des données à télécharger ou bien à synchroniser. Vous pouvez toujours aussi configurer les SMS, crypter, faire le cryptage de données et aussi tester si la synchronisation marche. Donc ici, et dans ce, on va partager cette information. Donc ça, ici, il y a un lien qui va vous amener juste à l'interface, au site web. Là, vous pouvez avoir plus de détails que je viens de résumer. Toujours dans la gestion des équipements, il y a aussi ce que Agnon a un peu mentionné avant que je commence ma présentation. Les applications qui ne sont pas les applications internes du HIS, mais les applications qui peuvent faciliter la gestion des tablettes ou bien des matériels, des équipements à Android. Tu vois, par exemple, si vous voulez mettre à l'échelle un tracker avec 2000 et 3000 tablettes, et donc c'est pour appuyer ou bien donner une assistance technique à ces utilisateurs, ça peut être très compliqué. Et même si avec les moyens comme l'utilisation des emails, groupes WhatsApp, les téléphones peuvent vous aider à rapporter les difficultés rencontrées, aussi avoir donc l'assistance technique de la part de l'équipe technique. Certaines institutions. Tout le monde peut. S'il vous plaît, on n'entend plus rien. On n'entend rien, vraiment. Il y a du bruit, vraiment. Ok, merci. Ok. Donc, il y a des institutions, bien les gestionnaires de projets qui peuvent uniquement décider d'utiliser les applications de gestion des appareils mobiles, Mobile Device Management Softwares. Et donc, avec ces logiciels, donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir, de faire le monitorage de tout ce qui est connecté avec les tablettes ou bien avoir la possibilité d'identifier une tablette qui a des difficultés à synchroniser ou bien à synchroniser que ce soit les données ou bien les métadonnées.
Mais avec ces logiciels, parce que ce n'est pas des logiciels de DHIS, donc il faut s'attendre des coûts. Donc il y a différents produits sur le marché. Et ici, je n'ai pas mentionné ça, mais avec Solier, dans la documentation, vous amène là où vous pouvez avoir une liste de logiciels. La liste n'est pas exhaustive, il paraît qu'il y a autre qu'on n'a pas encore voir, mais il y a les listes des logiciels de gestion des appareils mobiles pour voir, pour avoir cette possibilité de faire le monitorage des utilisateurs d'Android. Aussi, avec l'application, avec le DHIS, ces logiciels vont vous permettre de gérer de manière centralisée vos appareils. Donc, il va y avoir un gestionnaire de système, que ce soit quelque part au niveau du ministère, que ce soit ailleurs, et qui peut facilement faire le troubleshooting ou bien faire le nettoyage à distance des applications et aussi s'il y a des mises à jour nécessaires. Donc, c'est à travers de cette application. Vous pouvez toujours le faire, mais pas toutes les applications. Il y a des qui peuvent faciliter ça, il y a les autres qui ne peuvent pas. Et donc, on aimerait aussi avoir, s'il y a des expériences à partager là-dessus, pour s'il y a quelqu'un qui a commencé à utiliser ces logiciels, pour essayer de partager avec tous les participants ici présents, pour voir s'ils peuvent aussi, explorer la même option ou bien ainsi de suite. Bien sûr que ça va avec les coûts. Ici, c'est approximativement entre 1 à 2 dollars par appareil par mois. Donc, si tu as un appareil mobile que vous voulez utiliser comme équipement de collecte de données, donc cet appareil, vous allez, s'il est connecté, vous allez à payer, vous allez payer donc une souscription annuelle mensuelle entre 1 à 2 dollars par appareil. Il y a des gens qui vont juste au-delà de la souscription à mensuelle et aussi vont au niveau au niveau du temps utilisé ainsi de suite. Si vous regardez très bien, ça c'est une image qui vous montre si vous voulez, par exemple, opter à utiliser le logiciel de gestion des appareils mobiles. Et peut-être ici, j'ai oublié de mentionner en mettant en place un système tracker basé sur Android, il y a des options, donc il y a des possibilités. L'une, c'est d'acheter, par exemple, les appareils Android. Donc, les appareils Android, ici, on recommande, si c'est à vous d'acheter les appareils, d'identifier, d'avoir aussi les étapes à bien faire le screening d'un appareil qui peut réellement faire faciliter l'action, là ou bien les activités de collecte. Mais aussi, certains pays optent à utiliser les équipements ou bien les appareils Android des utilisateurs. Ici, donc, l'abréviation, ici, c'est une abréviation en anglais, bring your own device. C'est-à-dire que si tu as des opérateurs de saisie au niveau formation sanitaire, au niveau district, il peut y avoir qu'ils ont des téléphones, des smartphones sous Android. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être les motiver en donnant, par exemple, les cartes crédit Internet, quelques motivations, quoi. Et pour que donc ils peuvent continuer à utiliser leur téléphone. Ça, c'est un peu. Donc, ça rend au moins un projet moins coûteux. Et aussi, surtout, tu vois, quand vous voulez mettre en place un système, c'est pas toujours. Même si on parle ici d'une application open source, donc c'est pas
c'est pas totalement gratuit. Il y a quelques investissements à faire, surtout côté achat des équipements, infrastructures, ainsi de suite. Donc, si vous parvenez à s'attendre que donc, les gens vont utiliser leurs équipements, donc leurs équipements mobiles, ça contribue beaucoup, ça diminue beaucoup le coût du projet. Et donc, si vous regardez ici, il y a donc un logiciel de gestion. Donc, un logiciel, ici, il y a un logiciel de gestion des équipements mobiles, là où vous, quelque part, qui est connecté par votre serveur à travers l'Internet. Il y a bien sûr un gestionnaire de cette application qui est peut-être le vendeur de l'application ou bien tout ce qui a l'accès à l'administration. Et aussi, il y a les tablettes, les téléphones qui peut facilement, donc qui va directement être contrôlé à travers ce serveur de logiciels de gestion des appareils mobiles. Pour mettre en place un système, un tracker basé sur l'application Android, même si c'est un tracker que vous pouvez accéder à travers dans l'interface web, il y a quelques considérations à faire si vous pensez d'avoir utilisé sur la version Android de HAST. L'une des précautions à faire, il faut s'assurer que vous avez fait tous les tests nécessaires, que ce soit, il y a trois niveaux de tests, je ne sais pas si vous le savez. Il y a les tests, donc quand vous commencez à développer l'application, il y a les tests internes, donc à l'intérieur, donc dans que ça soit peut-être une unité de gestion des données, vous commencez à tester l'application localement dans l'institution pour voir si, par exemple, l'erreur programme marche très bien, les règles programme marchent bien, les paramètres marchent très bien, les interfaces aux utilisateurs, les icônes, les couleurs, ainsi de suite. Donc, vous faites ce genre de test d'une façon interne. Dès que c'est fini, il faut s'assurer que peut-être vous ajoutez une autre phase de test, par exemple, vous pouvez facilement identifier un groupe de gens qui ne sont pas nécessairement habitués au DHIS ou bien eux aussi à l'usage de l'application Android au DHIS pour essayer de collecter les commentaires, les inputs, les suggestions. Surtout, ici, je parle vous, comme l'application, si vous pensez que l'application ne va être pas utilisée par les gens des programmes, à ce moment-là, vous pouvez facilement identifier quelques employés du programme, les statisticiens, les chargés de suivi, évaluation, les opérateurs de saisie. Et à ce moment-là, donc, ça sera la deuxième étape de vérification, de faire le test pour s'assurer que l'application répond répond correctement aux exigences des utilisateurs. Donc, à ce moment-là, vous collectez aussi les commentaires et les suggestions. Vous pouvez aussi toujours penser à faire une test à l'échelle, à une échelle, si je peux dire, un peu très grande. Et cette échelle, donc, par exemple, on peut considérer ça comme un pilote. Donc, vous voulez, OK, on va tester ça dans une telle province, district, pour avoir essayé de collecter tous les commentaires, les suggestions, le plus tôt possible, avant de mettre à l'échelle l'application. Parce que ça peut être compliqué dès que vous mettez en marche le système et sans toutefois faire ces étapes de test. Ça devient un peu compliqué, surtout
avec l'usage de l'application Android, comme j'ai parlé tout à l'heure, il faut avoir la, s'assurer que les gens savent comment faire la synchronisation de données, la synchronisation des configurations des métadonnées, et aussi savoir comment manipuler l'application. Tu vois, la combinaison de trois facteurs, pour, il faut c'est mieux d'avoir testé tous ces facteurs-là avant de mettre à l'échelle l'application. Est-ce que jusqu'à maintenant, y a-t-il des questions là-dessus? J'aimerais peut-être essayer des précisions, il y a des questions à demander, trois ou quatre questions, et puis je continue. Allô? Est-ce que vous êtes là, parti? Okay. Oh, on est là, nous sommes là. Nous sommes là. C'est compréhensible. On est là, on vous suit très bien. On est là, on suit très bien. On suit avec toute attention. On est là, on vous écoute alors. Ok, merci d'attendre votre voix, c'est très gentil. Merci à vous, Adolphe. Ok. Donc, il faut toujours s'assurer que vous avez fait tous les tests nécessaires pour s'assurer que l'application est correctement configurée, que ce soit les règles des programmes, les paramètres, l'interface, les variables, les métadonnées. Est-ce que la synchronisation se fait correctement? Est-ce que le nombre de métadonnées à synchroniser, la fréquence, et ainsi de suite, sont bien paramétrés? Ce genre de trucs avant de penser à mettre à l'échelle nationale pour éviter les problèmes qui peuvent arriver juste au commencement de l'usage d'application. Et il y a aussi autre considération, surtout que vous allez rire de plus dans le guide Android. Surtout la sécurité, hein? La sécurité des données. Donc, quand on parle de l'usage de l'application Android HIS, j'ai dit tout à l'heure que donc, l'Android ou bien la tablette garde une copie de l'application. C'est-à-dire que tout ce qui est enregistré dans l'application est gardé sur sa tablette. Donc, avec le DHIS, bien sûr qu'on applique nous appliquons donc le protocole de open source ici de OWASP, donc c'est le Open Web Application Security Protocol. Donc, il y a des directives concernant le codage et la capture d'éclat. Et donc, on applique. Donc, en développant le DHIS, ils ont tenu en considération de ce protocole stipulé. Mais il faut aussi que les gestionnaires des projets, des trackers, utilisant l'application comme le DHIS, prennent donc quelques considérations, quelques précautions pour s'assurer que les données collectées ou bien gardées sur les tablettes sont en sécurité, que ce soit la sécurité des tablettes. Donc, si personne n'a l'accès aux tablettes, tu peux facilement. Tu vois, souvent, les gens oublient de faire le logout. Et donc, si quelqu'un trouve une tablette, peut facilement accéder directement dans l'application. Il faut s'assurer que donc il y a les précautions faites, que ce soit la sécurité en rapport à l'accès aux tablettes et aussi l'usage des mots de passe ou bien l'usage de ces logiciels de gestion des appareils mobiles. Si vous trouvez que donc une tablette est active pendant par exemple 4 heures sans s'arrêter, vous pouvez directement faire le nettoyage à distance ou bien l'arrêter ou bien pour s'assurer que
Donc, cette tablette est utilisée par quelqu'un. Et vous pouvez aussi communiquer ça. Donc, ça, c'est ici, c'est, on essaie de lister quelques précautions à faire. Il faut toujours informer aux utilisateurs les précautions à faire, le logout, le logout, s'ils n'utilisent pas les tablettes, garder en sécurité les tablettes, ainsi de suite, ou bien les téléphones. Et aussi l'usage de cryptage, ici, c'est possible pour les gens qui, ou bien pour les gestionnaires qui ont adopté l'usage des logiciels de gestion des appareils mobiles, ainsi de suite. Donc, tout ça est paramétré, comme vous le voyez sur cet éclat, c'est paramétré, c'est à travers la partie configuration de l'application DHIS. Donc, si vous avez déjà l'application DHIS Android installée sur votre appareil téléphonique, vous pouvez toujours cliquer là-dessus. Et quand après avoir logué in, il y a partie configuration, vous pouvez configurer le PIN. Ou bien là, vous pouvez toujours s'assurer que vous êtes vous loguez out de l'application, ainsi de suite. Il faut noter aussi que avec avec l'application Android, ça aide, c'est dit aussi, c'est mieux aussi de répéter. L'application vous permet d'avoir un mode hors ligne complet, c'est-à-dire que après avoir fait la synchronisation des métadonnées, vous avez directement, si je peux dire, une copie de l'application pour faire tout ce qui est collecte des données hors ligne d'une façon complète. Donc, vous pouvez aussi, à travers le Wi-Fi, s'il y a la connexion Wi-Fi, vous pouvez toujours aussi faire la synchronisation, aussi la synchronisation SMS. Si vous utilisez le mode SMS. Mais ici, on mentionne que la synchronisation SMS nécessite configuration de la passerelle et aussi crédit SMS. Donc ici, avec l'application Android tout court, donc ça nécessite d'avoir l'Internet. Mais quand il s'agit d'usage des SMS, il faut avoir les passerelles bien configurées, aussi les collaborations avec les opérateurs téléphoniques dans les pays, et aussi avoir les crédits pour faire ça. Donc, tu vois, ou bien avoir l'usage de codes prépayés pour les SMS envoyés ou bien reçus. Bien sûr que à part la connexion, les crédits SMS, ainsi de suite, quand vous voulez mettre en place un système basé sur l'application Android DHIS, bien sûr, il faut avoir, comme je disais tout à l'heure, il faut bien identifier les appareils à utiliser. Que ce soit téléphone, que ce soit tablette ou bien Chromebook. Donc ici, dans la documentation, vous allez y avoir quelques astuces, quelques étapes à suivre si vous voulez y s'assurer que vous achetez donc que ce soit les tablettes de bonne qualité. Et donc la seule façon, c'est de les tester à travers les différentes phases de test que j'ai mentionnées en haut pour s'assurer que vous utilisez les tablettes. Pendant le test, dès que vous trouvez un tel produit marche très bien que l'autre, et à ce moment-là, quand vous allez mettre à recherche, à grande échelle, vous pouvez directement acheter tel produit pour faciliter la mise à recherche nationale. Il faut aussi penser au coût de réparation des appareils. Donc, si, par exemple, vous avez opté à l'option bring your own device. À ce moment-là, donc, vous allez utiliser les tablettes ou bien les équipements téléphoniques des utilisateurs. Mais là-bas, côté sécurité,
il y a un point d'interrogation. Et aussi, mes points, coût, projet, c'est très favorisant. Mais il faut aussi... donc, le coût est très important. Et aussi, que ce soit le coût des achats des appareils, et il faut aussi penser aussi au coût d'implémentation et mise à l'échelle de l'application. Il y a aussi le coût des gadgets, les claviers, les power banks, donc les banques, comment ils appellent, ok, power banks. Il faut aussi penser aussi au coût des logiciels. Si vous avez, par exemple, comme je disais, si vous avez 200 équipements téléphoniques et mobiles et que vous voulez, par exemple, simplifier la tâche de coordination et de gestion des appareils par l'usage des logiciels de gestion, à ce moment-là, il y a un coût, qu'il faut aussi budgétiser, aussi voir en considérant en essayant de en balancer entre donc le coût et l'avantage d'usage de ces logiciels. Ici, s'il y a des gens sur cette session qui ont pu adopter l'Android en utilisant ces logiciels, donc on voulait savoir, donc c'est mieux de partager leur expérience avec les gens présents. Et surtout pour les gens qui vont commencer à mettre en place les applications basées sur Android. Il faut aussi penser à la connectivité. Même si l'application Android, facilite la correcte hauling, donc il y a aussi, tu vas avoir l'accès à Internet pour synchroniser avec le serveur central. Qu'est-ce donc, donc en planifiant, vous pouvez juger bon d'avoir un forfait, de crédit Internet pour chaque utilisateur, ou bien avoir un modèle de financement pour l'Internet aux opérateurs de ceci dans les niveaux périphériques ou bien dans les districts. Il faut aussi penser aussi si vous voulez faire les négociations auprès des opérateurs téléphoniques dans les pays pour s'assurer s'il y a des discounts, s'il y a des réductions à faire pour surtout pour l'échelle nationale, donc l'État peut facilement négocier avec les opérateurs et avoir des exonérations, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a question jusqu'à ce moment-là? Une question ou bien je continue? S'il n'y a pas, donc, après de ce qu'on vient de voir, donc ici, est-ce que vous jugez bon d'avoir un tracker avec l'Android ou pas? Donc, ça revient toujours à vous de faire cette comparaison, voir en fonction des coûts et avantages, et aussi l'efficacité. Ce que je peux dire ici, c'est que l'usage de l'application Android, on peut dire qu'il y a une très grande différence pour ceux qui utilisent les SMS et l'Android. Parce qu'avec les SMS, l'Android, c'est mieux. Donc, tu peux facilement faire ta collecte de données une semaine, deux semaines, et tu peux synchroniser après deux semaines, trois semaines. Et donc, ça serait aussi facile de garder, ça serait aussi facile d'identifier ou bien d'avoir les erreurs de synchronisation. Et donc, c'est souvent dans les zones rurales, là où il y a la connexion n'est pas assez bonne. Vous pouvez aussi s'assurer, surtout dans les stratégies avancées pour les services de vaccination,
services de testing, ainsi de suite. Vous pouvez aller là-bas avec un tablette. Et donc, avec un tablette, vous pouvez facilement garder l'électricité. Donc, vous pouvez garder une tablette au moins 24 heures. Et donc, dans 24 heures, à ce moment-là, vous pouvez facilement collecter les données sans toutefois avoir peur que la machine ou bien l'ordinateur va s'éteindre. Mais avec l'ordinateur, que ce soit un laptop, et donc il ne peut que garder l'électricité pour 3 heures. Donc, tu vois, il y a la différence et l'avantage. Et aussi, avec l'usage de... À part les coûts, il y a les avantages avec l'usage de l'application Android, surtout pour l'accès à l'application et aussi l'accès à l'application. C'est-à-dire que donc l'Android, si vous distribuez l'application Android, directement tout le monde va avoir... Donc, vous pouvez directement distribuer l'application dans une petite période. Et aussi la formation avec l'usage de l'Android, parce que l'Android est un peu, si je peux dire, direct, donc ne nécessite pas beaucoup de formation, mais il faut aussi penser à ça. Donc, si les gens ne sont pas bien formés à l'usage de l'Android, il peut carrément dire que l'application est inutilisable. Surtout si vous avez mis à l'échelle l'application avant toutefois de faire tous les tests. Avant de faire tous les tests pour s'assurer que l'application est stable et prête à être utilisée. Sinon, avant que j'entre dans la partie démonstration, ici, c'est un rapport de soutien. Il y a bien sûr la communauté. Et donc, à travers la communauté, il y a la communauté de HAS. Il y a le site web, là, vous pouvez aller poser les questions. Il y a aussi la communauté des experts de HISP, les HISP, le réseau HISP, qui souvent facilite les pays ou bien les organisations non gouvernementales qui veulent mettre en place les applications de ce genre pour s'assurer donc l'assistance technique souhaitée. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Il y a aussi, bien sûr, en utilisant l'application, il peut y avoir les choses qui ne marchent pas bien. Et donc, à ce moment-là, que ce soit les erreurs techniques ou bien les erreurs dans l'application, c'est possible aussi de les rapporter à travers le Jira. Le Jira, donc, c'est une plateforme là où vous pouvez facilement vous pouvez rapporter des erreurs de l'application de HIS, pour que donc les développeurs puissent facilement regarder là-dessus et pour essayer de résoudre ça. Il y a aussi l'académie, donc c'est à travers aussi l'académie. Vous pouvez aussi directement bénéficier d'une assistance technique. Vous pouvez poser votre question ou bien votre difficulté ici. Et comme ça, on essaie d'échanger et voir comment vous aider à résoudre quelques défis que vous rencontrez dans l'implémentation de DHIS. Ça, c'est le lien vers les guides de configuration et aussi d'implémentation. On va partager ça. Et vous pouvez toujours, même si avant qu'on partage ça, si vous allez sur le site web de DHIS2, vous pouvez toujours écrire dans le browser DHIS2.org dans la partie documentation. Et vous voyez, c'est la partie documentation Android, et vous allez trouver le même document. Ici, sans toutefois tarder, avant qu'on passe dans la partie question-réponse, je vais faire une démonstration rapide en utilisant
en utilisant l'instance test du Rwanda. Donc, c'est une instance avec avec un tracker de vaccination COVID. J'espère que vous allez aimer la démonstration. Avant qu'on le tourne. Donc, ici. OK. Est-ce que vous regardez toujours mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Mes messages WhatsApp. Ah, on ne voit pas ton Android. Vous ne voyez pas? Vous voyez seulement la présentation. Non, c'est la présentation qui se fait voir. Il n'y a pas. Un instant. Ah, ok, un instant. Je partage encore. Ok. Qu'est-ce que vous regardez maintenant? Ouais, c'est bon. Votre téléphone. Il y a l'écran de votre techno. Ah, ok. Et le message aussi, mes emails? Pas encore? Non, pas encore. Donc, comme je disais, pour avoir l'application Android, peut-être j'ai oublié de mentionner ça, il y a des possibilités de télécharger l'application DHIS. Donc, l'une d'options, c'est dans le Google Play. Dans le Play Store. Ici, vous allez écrire l'application DHIS2 et vous cherchez l'application. Est-ce que vous regardez toujours mon écran? Oui. OK. Donc, c'est ici, comme vous le voyez très bien. Oui. J'ai déjà installé l'application DHIS. Donc, vous allez voir l'application DHIS de CAPTCHA. C'est ça l'application à télécharger, à installer sur votre machine. Mais il faut noter qu'avec cette application téléchargée par le Google Play Store, il peut être mis à jour à n'importe quel moment. Donc si vous ne paramétrez pas sur les tablettes pour s'assurer que l'application ne va pas mettre à jour qu'avec vous ou bien manuellement. Donc, chaque fois qu'il y a un changement sur l'application Android est publié sur l'application sur Google Play Store, votre téléphone, si les configurations sont configurées de façon automatique, ils vont directement mettre à jour l'application. Et donc, ça peut aussi compliquer la vie des techniciens qui facilitent la mise à l'échelle du tracker. Donc, ici, il faut que si vous recommandez aux opérateurs de saisie de télécharger l'application ici dans le Play Store, il faut s'assurer que la mise à jour automatique est désactivée. L'autre option, c'est d'aller dans le GitHub. C'est le GitHub de DHIS2. Et à ce moment-là, là-bas, vous allez télécharger l'application, l'APK de l'Android, de DHIS. Attends, on va voir si j'ai le GitHub ici.
Attends, laisse Google Chrome. Donc ici, vous voyez, il y a l'application. Okay. Ici, c'était un peu avant d'aller dans beaucoup de choses. Ici, il y a, vous voyez, il y a l'application DHSD Android Capture App. Donc, vous pouvez aller, donc c'est comme vous allez dans Google, dans n'importe quel browser, vous téléchargez l'APK de l'Android. Et à ce moment-là, vous allez le configurer, vous allez l'installer directement, manuellement sur la manuellement sur le matériel mobile. À ce moment-là, donc l'application ne peut pas être mise à jour de façon automatique. Donc c'est mieux recommandé d'utiliser cette option si par exemple vous allez mettre à recherche le tracker, bien sûr basé sur l'application Android DHIS, c'est à recherche nationale. Ça réduit les risques de mise à jour automatique et aussi donc ici vous allez informer aux utilisateurs, aux opérateurs de santé au niveau district et aux bioinformations sanitaires de télécharger une autre version si nécessaire, alors que quand vous utilisez avec le Google, le Play Store ici, donc il y a risque il y a risque de la mise à jour automatique sans toutefois vous demander la permission. Donc allez tout directement dans l'application, donc dans la Play Store. Donc si par exemple pour les tests ainsi de suite, pour les tests, vous pouvez toujours utiliser le Play Store parce que c'est rapide, mais quand vous allez mettre à l'échelle nationale, c'est mieux d'utiliser le GitHub de DHIS. Donc ici dans Play Store, comme vous le voyez, j'ai déjà l'application DHIS, j'ai téléchargé ça. Vous pouvez aussi aller là-bas et télécharger. Et si tout le monde a déjà fait, est-ce que tout le monde a déjà téléchargé l'application? On m'a dit oui. Ça va. Oui. Hein? Oui. C'est 3, 4, 3, oui. La 4e. Oui. Uh-huh. Il n'y a pas autre oui? Oui. Oui. Oh. Oui. Ok, ça devient 7. Oui, oui. Okay. Ok. Donc, si, je pense, donc, il y a. Donc, après avoir téléchargé l'application, vous allez cliquer sur « Ouvrir »,« Open ». Et à ce moment-là, il va ouvrir l'interface de connexion. Si vous voyez très bien, la première champ, donc ici, le titre, c'est « Serveur URL ». Donc ici, vous allez écrire tous les, donc le serveur URL, donc le URL doit commencer par le HTTPS double point ainsi de suite ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc je ne vais pas utiliser l'instance du Chad,
Donc, je vais utiliser l'instance locale du Rwanda. Oui, y a Plakali. Hey, Abakar, tu es là? Ok. Donc, j'ai l'instance locale du ministère de test du Rwanda que je vais utiliser. Un instant. Il est où? Ok. Ah. Attends un instant. S'il vous plaît, les autres participants, vous pouvez utiliser le lien qui a été donné, je pense, par Sakibou la dernière fois. Donc, vous pouvez vous connecter avec. Merci. C'est qu'on avait utilisé la fois avant-hier. Oui, oui. Donc, ici moi, je vais écrire le https double point. De ligne et puis HMS, c'est ça, non? Donc, ça, c'est le lien test que je vais utiliser. Et donc, il faut bien sûr avoir un nom utilisateur. Ici, l'application d'HIS Android est conçue pour faciliter la collecte des données. Donc, il faut s'assurer que le nom de compte que tu vas utiliser ici est un nom dédié à un opérateur de saisie. Sinon, si vous, par exemple, donc, si vous utilisez un nom de compte assigné à un gestionnaire de données au niveau national, et que donc ça va prendre même deux jours pour faire la synchronisation ou bien pour se connecter parce que le tablette n'est pas très performant ou bien n'est pas habilité à télécharger tel nombre de cas ou bien tel nombre de enregistrés. Donc il faut s'assurer que le nom d'utilisateur est directement assigné à une entité. À une unité et rapportant. Donc ici, je vais utiliser mon nom de compte. C'est ça. Mais donc, vous allez utiliser ce que Agnon vient de dire. À ce moment-là, donc, j'ai mon mot de passe. OK. Et puis, OK. Dès que c'est fini, donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, 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 oui. OK. Et puis, il y a donc en bas, sur votre téléphone, vous voyez un bouton bleu avec tic. Vous allez cliquer là-bas et puis cliquer sur Login. Dès que cliquez là-bas, vous allez avoir donc cliquez sur continuer. Je ne sais pas si j'ai bien écrit mon mot de passe ou pas. Et donc l'application va directement commencer à synchroniser avec le serveur central. Donc ici la synchronisation, c'est-à-dire que l'application va directement télécharger les métadonnées et aussi les données assignées. Ou bien les données enregistrées sur votre unité d'organisation. Donc ici, ce que je disais tout à l'heure, donc si vous êtes par exemple attaché à une unité d'organisation nationale, c'est-à-dire que l'application va essayer de télécharger à partir du niveau central, tous les cas ou bien tous les rapports envoyés. Mais donc ici, pour faciliter la tâche et aussi considérer aussi les difficultés, les connexions, les difficultés de connexion au niveau,
au niveau périphérique, il faut essayer d'optimiser les nodes utilisateurs, surtout pour, si vous pensez que les utilisateurs vont utiliser beaucoup les tablettes. Il faut s'assurer que vous les donnez les niveaux d'accès et l'erreur uniquement qu'ils ont uniquement besoin. Sinon, la mal configuration des noms de compte va contribuer aux lenteurs de l'application et la synchronisation. Donc, tout le monde a déjà synchronisé? 5 oui? Okay. Déjà, nous avons déjà fait. Ah, OK. Donc, ici, il y a la partie dans la partie Home. Donc, dans la partie Home, vous cliquez là-bas, c'est là où vous allez voir, là où vous pouvez directement faire les configurations, faire configurer les pins ou bien configurer autre paramètre. Ici, vous voyez la partie en haut, c'est la synchronisation des données. Donc, après avoir enregistré les cas, vous pouvez toujours faire la synchronisation là-bas. Ici, j'ai bien... par défaut, c'est une journée, par défaut, mais je peux toujours, changer par 30 minutes, une heure, ainsi de suite. Et donc, par exemple, quand vous allez faire l'enregistrement, donc quand vous allez utiliser une tablette directement connectée, vous pouvez toujours activer 30 minutes. Si vous par 30 minutes, donc après chaque 30 minutes, l'application va essayer de synchroniser avec le serveur. Et aussi, il y a la partie synchronisation des métadonnées. Donc, si vous pensez qu'il y a eu des changements sur l'application, il faut, avant que les opérateurs de saisie aillent sur le terrain, il faut qu'ils synchronisent d'abord avec l'application pour s'assurer qu'ils partent avec les métadonnées à jour. Ainsi de suite, à partir de quand enregistrer, à partir des varères, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez toujours rire et à partir des documentations, savoir de plus comment faire les paramétrages des configurations là-dessus. Dès que c'est fini avec la configuration, quand vous cliquez sur ici, dans mon instance de test, il n'y a qu'une application, il n'y a qu'un programme tracker de vaccination COVID. Si je clique là-dessus, c'est-à-dire que l'application va directement afficher tous les cas enregistrés sur mon unité d'organisation. Ici, vous voyez, il y a toute une liste de gens toute une liste déjà enregistrée comme test pour voir si l'application marche correctement. Et si, par exemple, je vais mettre à jour les informations de quelqu'un, il y a des possibilités. Donc, tu commences d'abord à faire la recherche. Si tu connais le code NIC de l'individu, donc tu peux l'écrire ici et puis tu cliques sur ce bouton search avec plus. Si tu ne connais pas le code NIC, vous pouvez toujours utiliser le nom ou bien le numéro de téléphone, ainsi de suite. Supposons par exemple, je vais voir le nom. C'est une personne qui s'appelle, par exemple, Kamugunga. Et puis vous allez cliquer sur recherche. Et donc, l'application va tourner pour voir s'il peut trouver cet individu dans l'application. S'il y trouve, il va afficher. S'il ne trouve pas, il va te dire cet individu n'existe pas et comme ça, tu vas créer. Je pense que, parce que Agnon me disait donc que j'ai presque fini avec mon temps. Et donc, tu vois, ça, c'est la liste des gens qui s'appellent, qui a comme avec nom Kamugunga. Et donc, je peux voir est-ce que c'est quel Kamugunga que je parlais, que je voulais mettre à jour, ainsi de suite. Mais c'est comme ça que l'application Android marche et que vous pouvez l'utiliser. Et aussi toujours considérer les précautions et les précautions que j'ai mentionnées
que j'ai mentionné tout à l'heure. Et sinon, je ne sais pas s'il y a, si j'ai encore quelques minutes pour les questions, ou bien si vous allez les poser, les partager dans la, sur le Slack, et comme ça, je vais répondre les questions là-bas. Sinon, je vous remercie, et je vous remercie pour votre attention. J'espère que donc, la session a été très informative. Et donc, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup, Adolphe, pour cette belle présentation. Je pense qu'il y a eu quelques questions déjà dans le Slack, mais nous avons débordé un tout petit peu le temps. Veuillez nous en excuser. Nous allons continuer par répondre aux questions dans le Slack. Mais bon, je vais demander à Adolphe de revenir sur le mot du jour. Pour ceux qui l'ont loupé un temps soit peu à cause d'un problème de connexion. Et vous avez la liste de présence, vous avez le feedback. Nous serons contents d'avoir de vos nouvelles là-dessus. On peut continuer, en fait, à discuter dans le Slack. Sur ce, je pense que Adolphe, tu es toujours là. Je veux voir si j'ai le. Je peux projeter le mot du jour, il n'y a pas de souci. On va revenir sur le mot du jour pour quelques secondes. Donc, voici le mot du jour. Vous pouvez marquer votre présence comme vous avez l'habitude de faire. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont pris sur eux de suivre toutes les activités de cette première semaine. Ce ne fut pas facile, mais vous avez quand même voulu consacrer votre temps pour suivre pleinement cette académie. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver lundi à 10h, temps universel, pour continuer avec les autres sections, avec les autres facilitateurs qui vont aussi entrer en jeu. Déjà, je vous souhaite bon de début de week-end. On est ensemble. Mais si éventuellement... Merci. Oui, Agnew. Qui parle? On voit pas les liens là où on va envoyer les mots du jour, s'il vous plaît. Le lien est disponible dans le Slack. Oh, c'est bon. Oui, il y avait quelqu'un qui parlait aussi. Oui, Agnew. Oui, c'est moi, c'est Robbie. Oui, avant de se quitter, là, j'aimerais toujours demander les liens des vidéos sur YouTube. Comme ça, on puisse revoir toutes les vidéos pendant ce week-end-là qui va venir. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, c'est possible. Je vais voir tout à l'heure avec Alice pour que dans l'annonce, nous puissions vous envoyer le canal pour les vidéos. OK, merci à vous. Bon week-end. Et puis, on est ensemble. Merci à tous les facilitateurs qui sont en ligne, qui essaient de répondre aussi dans Slack. Pardon. Oui, pardon, s'il vous plaît, Agnew. Oui, Jean-Charles. Oui, je suis dans Slack, vraiment, je ne vois pas les liens. Tu ne vois pas? Je suis dans Slack, okay. Oui. Je pense que notre facilitateur, un autre participant va t'aider. Il faut aller dans annonce.